on va chercher encore une voiture. Bah pourquoi faire? Encore une voiture. Encore une voiture. C'est un projet qui est un peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant, mais qui est quand même lié à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Allez, pour en faire plus simple, ça fait une dizaine d'années que je veux faire une voiture pour les personnes en situation de handicap. Ben en fait, je faisais des baptêmes à l'époque avec ma Toyota Cresta. J'embarquais quelques handicapés avec moi. Ils se sont régalés. Et le truc qu'il y a, c'est que ils sont régalés, mais ils étaient en passager, quoi. Et j'ai senti qu'ils auraient bien voulu prendre le volant de la charrette. Donc, du coup, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution. J'ai eu cette idée il y a une dizaine d'années en arrière. J'ai ma chopinette qui travaillait dans le milieu. On a également une école de pilotage où on essaye de partager cette passion qu'est le drift, le dérapage contrôlé en voiture. C'est ce qui donne énormément de sensations et c'est très agréable comme technique de pilotage. Et voilà, on s'est dit on va essayer de faire un projet comme ça bien sympa. Et j'ai un copain d'enfance qui est paraplégique, qui s'appelle Ben. Et en fait, mon petit Ben, on va se débrouiller, ça va être le cobaye. Il va se retrouver au volant de la charrette qu'on va aller chercher. Je te jure qu'il va... ça va lui friser la moustache, comme on dit. Moi, tu flimes? Oui. Rappelle-moi le nom de ton garage. Appelle-le DP Sport. DP? DP Sport. DP, pourquoi DP? Du chez Proust. DP. DP. T'entends ce que je dis? Approche-toi, c'est un gros V8 là qui fait du bruit là. Je suis au garage DP Sport à Valensole. C'est un garage avec deux jeunes associés qui sont surmotivés, ils travaillent très bien et sur des très belles autos. Vous pouvez voir derrière les machines qu'il y a là. Si t'es passionné de bagnole, c'est dans le 04 l'endroit où il faut venir. Et du coup on est en train de changer les roues de cette merveille. Une LCL 500 V8 que petit Ben va pouvoir conduire bientôt avec les palettes, enfin les commandes au volant. Il va se régaler. Donc, c'est une LCL 500 V8, 5 litres, 310 chevaux. Propulsion, bien entendu, pour faire des dérapages. C'est ce qu'il y a de mieux. Regarde-moi ces beaux freins. Il y a des kits gros freins. Tout nickel. Par contre, ça, ces amortisseurs, j'allais dire c'est de la merde, mais il faut pas dire ça. C'était un système que Mercedes avait inventé à l'époque, qui est extraordinaire, très confortable. Le problème, c'est que ça a une durée de vie de 100 000 km, ce qui est faible pour une voiture, et que ça coûte 1000 euros pièce pour les changer. Donc autant dire, ça coûte plus cher que la bagnole une fois que tu as fait les amortisseurs et l'entretien, c'est pénible. Mais nous, ce qu'on va y faire, c'est on va y monter des suspensions plus simples. Alors, elle sera beaucoup moins confortable et sûrement moins performante, mais au moins, elle reviendra moins cher à faire rouler. Parce que le petit Ben, eh ben, il faut qu'il puisse rouler de temps en temps quand même. Réussi, c'est bon, je peux prendre ta place. Jamais de la vie, le pas. Hein? Je teste ça, la mécanique. Le problème, c'est que si je prends ta place, c'est dans 6 mois, ça marche plus. Non, il brûle le garage. Malgré tout, peut-être un peu trop. Oui, l'autre côté, ça a été fait plus vite. On se moque de moi. Voilà, comme ça, je suis une chèvre en mécanique. Hein, c'est... on le sait, c'est pour ça qu'il y a des vrais mécanos qui... prendre leur métier. T'as vu les voitures là-bas comme elles sont cool? Moi j'aime bien ça déjà. Ça c'est génial. Un petit moteur. Il y a un turbo dessus. C'est une Dunkerwurst? Waouh, une Dunkerwurst. Alors, attends, il faut que je réexplique quand même. Une Dunkerwurst. En fait, ça ressemble à ces fameuses. Caterham. Caterham, très bien ma chérie, heureusement que t'es là d'ailleurs, culture automobile, Donc c'est comme une Caterham, mais ça n'est pas une, c'est une Dunkerwurst, c'est leur concurrent on va dire. C'est une petite marque anglaise, et là de ce que je vois, ils ont mis un moteur Ford dedans, qui est un 2 litres Cosworth, c'est ce qu'il y avait sur les Sierra Cosworth, avec un turbo tout neuf ici que je vois, et ça fait quoi ça, 250, 300 chevaux? 250, ça fait 300. 300? Ça fait 300. Wow. Et ils travaillent sur des autos quand même assez rigolotes ici, je trouve. Ça, t'as donné le chèque, monsieur, au moins. Bon, donnez-lui le chèque.
pompe nouvelle. Le monsieur qui nous a vendu cette voiture, il est adorable. C'est grâce à lui qu'on peut faire ce projet-là. Parce que normalement ce genre de voiture ça vaut un petit peu plus cher, même si elle a plein de défauts, qu'on se le dise, elle a plein de défauts. Mais normalement c'est des autos qui valent quand même un peu 3 sous. Et là pour tout vous dire, j'ai payé pas cher. Et en fait ce monsieur nous a fait cette fleur parce que c'est pour le projet, il le trouve cool, le projet qu'on a avec, avec Tiben. Et voilà, donc je souhaitais à le remercier, monsieur Esteves Vieira. Voilà, Esteves Vieira, et son prénom c'est João Carlos. Carlos, c'est ça. Alors pourquoi il y a deux noms? Tous mes copains portugais m'ont expliqué. Ils prennent le nom du père et de la mère. C'est pour ça que vous remarquerez que tous les gens de la communauté du Portugal ont deux noms de famille. Moi je trouve ça beaucoup mieux. Pourquoi on prendrait que le nom du père? Du coup notre gamin il s'appellera les deux. Voilà. Non. Bon, elle est pas magnifique, qu'on se le dise. Elle est à la fois magnifique et pas magnifique. Tu sais, c'est ce genre de voiture de drift. Généralement, c'est les meilleures d'ailleurs. La base est cool, je pense. C'est un V8, 5 litres, 300 chevaux. Une boîte auto, on en avait besoin pour corriger du coup. Compenser. Compenser, merci mon nom, c'est le terme. Pour compenser l'handicap de mon pote. Du coup, boîte auto, ça permet de passer les rapports et pour accélérer comme ça. Accélérer, freiner. On va voir comment on va le monter le truc et tac tac pour passer les rapports avec le coude, ça va être trop bien. Clairement, la voiture elle est bourrée d'électronique, je supporte pas ça, on va se faire chier avec ça, je le sais, le gars nous l'a dit, la capote, le machin, les capteurs qui restent ouverts, la voiture, on va s'arracher les cheveux, soyez-en sûrs, on va être en panique et on a besoin de passionnés de Mercedes derrière votre écran, des vrais, hein, pas celui qui me dit j'adore les Mercedes, on aime tous les Mercedes. Non, vraiment, s'il y en a un qui sait vraiment lire un schéma électrique et qui est déjà rentré dans le calculateur moteur, boîte et habitacle, et que le mec il dit la ligne 112 code 3428 ça donne ça, si toi tu vois cette vidéo, s'il te plaît aide-nous toi aussi, parce qu'on va en avoir bien besoin, je le sens. Par contre le moteur c'est un M113. À ce qui paraît, c'est réputé impétable. On pourrait même lui coller un turbo un jour. On va pas le faire, hein, non. Mais on pourrait. C'est des moteurs qui encaissent bien. Ils sont très utilisés dans les pays de l'Est, ces moteurs-là, pour sortir des gros chevaux à pas cher. Normalement, dans la logique, il doit y avoir des gros cardans, un gros pont. Donc, je pense pas qu'on soit emmerdé avec la transmission. Les boîtes de vitesse Mercedes sont réputées solides. Donc, attends, je redis un truc. C'est pas très politiquement correct. Je sais pas si on le fera dans la vidéo. Les boîtes de vitesse Mercedes sont réputées très solides. Les disques, ils sont neufs. Neufs, mon cousin. Oh là là, regarde-moi ça. Ils sont tout neufs, les disques. Là, je suis content. Il y en a moins pour plus cher que ce que j'ai payé la voiture, presque. Il y a les plaquettes qui sont neuves aussi. Eh bien, écoute, je suis bien content. Voilà. Après, clairement, qu'on se le dise, tu vois, le kit, c'est un kit carrosserie qu'il y a dessus. C'est fissuré. Ça me plaît beaucoup. Ça ressemble à une voiture de drift. J'adore. On ne va surtout pas la refaire en carrosserie. On va lui mettre, par contre, 4 combinés filetés CIK, et d'ailleurs un grand merci Cédric, tu fais partie de ceux qui filent un gros coup de main à ce projet et je sais que tu es là avec le cœur. Il y a également Drift Shop qui ont toujours été là, qui font ça aussi avec le cœur, qui m'ont envoyé des pièces pour la bagnole, freins à main, tout plein de choses toujours utiles pour la voiture. Et en fait tous ces gens là, tous mes sponsors, ils me suivent dans mes projets qui sont très égoïstes et puis pour une fois dans un projet qui est pas trop égoïste, donc ça c'est cool. Là, écoute-moi, il y a 500 kilos à gagner. Ça, c'est du cuir. Regarde-moi ça, là. Ça, ici, on a une boîte à gants. Elle pèse 850 kilos. Hop, et elle se ferme avec du scratch. Elle se ferme, ou pas. Ça va dégager. Ça va dégager. En fait, il y a tout qui va dégager. Il y a tout, on va tout démonter. Voilà, on va essayer d'en faire une voiture le plus légère possible. Plus c'est léger, plus c'est fiable. C'est logique, ça force moins sur les trains roulants, moins sur le moteur, moins sur la boîte. Donc voilà, on va l'alléger pour qu'elle soit plus solide et un petit peu plus performante, plus rigolote en tout cas surtout. Je pense que c'est pas du tout la voiture qu'il fallait choisir. Je le sens au fond de moi, une question de complexité. Après, comme on dit dans la vie, déjà l'occasion on fait le larron. Et puis aussi, tu sais, il faut faire des erreurs, c'est avec les expériences qu'on avance.
Et les expériences, bah, c'est se bouger le cul, quoi. Parce que là, j'étais devant mon ordinateur pendant des heures, tous les soirs, à gamberger au projet. Qu'est-ce qu'on achète comme voiture? Quelle boîte automatique est fiable? Mais il faut un moteur qui est du couple. Et il faut ci, il faut là. Au bout d'un moment, ça m'a fatigué, j'avançais pas, il n'y avait toujours pas de voiture, et je commençais à m'impatienter. Je suis tombé sur cette occasion. C'est pas dit que dans 2 ou 3 ans, ce soit encore elle qui roule, mais déjà, si ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour que petit Ben puisse rouler, après, peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont arriver, d'autres voitures qui nous viendront en tête, qui pourraient marcher. Et autant, je me trompe complètement, et c'est une merveille de dingue, et dans 10 ans elle a encore le feu de Dieu, hein, tu croises les doigts toi derrière, hein, elle est comme ça en mode elle a vu tous les fils électriques, elle a fait voilà, il y a 6 calculateurs par fin, voilà, c'est pas gagné, mais il faut commencer, voilà, on va essayer, il y a des chevaux, il y a une grosse boîte, un gros moteur, un gros pont, des gros cardans, maintenant il y a tout un tas de merde autour, voilà, on va essayer de s'en sortir. Bon, je suis content en tout cas, ça avance. Très content. J'ai hâte que petit Ben la voie. Il est parti en vacances là cette semaine. Il va voir son frérot dans le nord, enfin là-haut. Et il revient lundi. À partir de lundi, on attaque à mettre le système accélérateur au volant. J'ai hâte qu'il la voie. Il va être comme un dingue. Ça va être cool. Allez, vivement qu'elle roule. 8 et 9 août, c'est notre objectif. Au moins qu'elle se déplace correctement. Voilà, 8 et 9 août. Faut qu'elle se déplace correctement. On est parti.